Et que c'est beau, hein? Imaginez, Esther, quand je joue à NHL sur mon PS4 avec mon teammate Max. Max. The National Sports Cards. Mon partner. Mais tout ça pour vous dire que c'est un courrier du jour! Yeah! Hey, non, pas de chanson. Trop fatigué. Pas dormi. Pas dormi. Faites du ménage. Check. Hein? Ça a des pattes, ce bureau-là. Il y a un plancher en dessous de ce bureau-là. J'ai jamais vu ça. En fait, mes enfants ne l'ont jamais vu, eux autres. Ça, c'est vrai. J'ai déjà vu ça. T'as déjà vu en dessous du bureau, toi? Viens me dire que t'as déjà vu la couleur du mur au fond en dessous du bureau. Je te crée pas. Quand même, tu me le dirais, je te crée pas. Ah, mais vous êtes pas là pour ça. Vous autres, vous êtes pas là pour savoir ce que j'ai su, hein. Je vais te montrer, ça sera pas bien, là. Tiens. Oh, what the f... Hein? Je suis trop bas. Monte un petit peu. Tu sais filmer, toi. Bon. Alors, on va commencer avec un achat. Donc, c'était mon cadeau de la fête des pères. Je m'excuse un peu de... Sur moi, j'avais une craque à vous montrer. Juste du poil. Donc, un achat eBay. C'est mon cadeau de la fête des pères qui est rentré après une autre. Pourtant, c'est... Ah! Ah ben là, ça part avoir pris plus de temps. Je pensais qu'il était de Montréal. J'étais sûr que j'avais acheté deux trucs de Montréal. Ça me tienne, c'est rentré. Donc ça vient de Lanley, BC. BC, c'est pas Benoît Chartier. BC, c'est la British Columbia. Donc, vous doutez ce que c'est, hein? Ah, il y a une chanson là que je vous ai écœuré avec depuis une semaine, là. Je la mettrai pas aujourd'hui parce que ma femme écoute d'autres choses. Oh. C'est beau. C'est très beau. Fait que voilà. Non, c'est pas un décroche. C'est du papier. C'est bien plié. C'est super, ça. J'aime beaucoup ça. Est-ce qu'on a son nom de vendeur? Ou c'est juste une feuille blanche? Est-ce que je fais mon comic? Ah. Donc, je vous lis ce qui m'écrit. Dear David, I'm a fucking analphabet, so I don't write anything. I just make you a bud barbeau. Et c'est signé Nobody. Donc, ben merci. Non, c'est des farces. Voilà, c'est une superbe Bill Barilko. Provenant de 2003, donc 2003-2004, oui, Be a Player. Je sais, vous allez écouter mon vidéo. Rien que moi qui les écoute, mes vidéos. Tu sais, j'ai... Si tu trouves qu'il y a une vidéo qui a 400 clics, là, c'est pas que je m'ennuyais. Non, c'est pas vrai. Mais non, j'ai 56 personnes qui me suivent et je vous salue. Je pourrais prendre le temps de vous nommer, mais je sais pas tous vos noms. Jonathan. Martin. Vite, vite! Camille. hey, je m'excuse, hein. Qui c'est qui m'écrit? Éric. C'est pas grave, mon amour, regarde. Rien que ça à faire, c'est l'été, il n'y a pas d'hockey. Donc, superbe carte, même le plastique est écœurant. Plastique est propre, beau. Je suis très bien raide, je suis super content. Thank you, merci beaucoup. Puis, it was a joke, hein. Et l'autre de... Est-ce que je dis mon meilleur? C'est vraiment, c'est un de mes meilleurs. C'est toi qui te l'as envoyé parce que j'ai tellement. Non, c'est de Martin Côté. Donc, Martin qui, malheureusement, j'aurais pas l'occasion de rencontrer lors de l'espèce de trading que j'aurais voulu faire alors que je serais en visite chez ma maman. Fait que, vous avez vu, j'ai envoyé je me rappelle plus, là, des Terevainen, ça me vient plus, plusieurs cartes à mon bon ami Martin. Martin Côté de Trois-Rivières. Martin que j'ai connu parce qu'il prenait part au break de NHL from Break and Raz. Une fois que j'ai mis, ça me fourrer. Donc, voilà. Sin Tepnet. Là, ça va être Yann-Éric, là, si tu fatigues, mauvais timing. Allô?
Allô? La petite colisse. Ben oui. Crise de fatigue. Ben, il est parti faire une commission. Tu peux-tu le rappeler dans 10 minutes à peu près? Ou si tu te rappelles? Ok, c'est bon. Bye. Bye. Wow! Mon amour! Là, le problème, c'est que s'il écoute la vidéo, il va se rendre compte que tu lui as menti en pleine face. Alors, de mon chum Martin, une magnifique Connor McConnor, Corner McDavid. Je vous explique, Martin, il s'achète une boîte, puis dans sa boîte, il pogne la superbe McDavid, mais le coin est endommagé. Puis, c'est ça, là, il a comme. Il était comme déçu, tout. Puis, il sait que je l'aime. Fait qu'il me l'a proposé, donc, oui, pas de problème. Fait que, voilà. Donc, elle est dans un superbe One Touch, qui lui n'est pas endommagé du tout, ainsi qu'un petit sachet. Comme quoi, il fait bien les choses. Alors, merci, Martin. Et... Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit que tu m'avais mis un petit extra. Mais en fait, il y a une autre carte dans notre transaction, mais... Oh là 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 là. Mon frère m'appelait probablement juste parce que j'ai gagné notre pool du repêchage, donc le pool du draft. Alors, je m'enrichis de 100$. Mais en fait, je ne m'enrichis pas de 100$. Je suis moins pauvre de 100$. Donc, on me dit que Mastercard fait dire merci. Hey, l'aide est approuvée pour 10 000. Tabarnak, 10 000. Le gars, il n'a aucun revenu dans l'année, même pas de BS, aucun programme gouvernemental. Mais non, le CAF s'est marié, fait qu'il n'a plus droit à rien. Mais, c'est approuvé pour 10 000. Doit avoir, le gars, ça doit être un bon payeur. Hein? Ouais, on m'a déjà dit ça. Toi, tu rentres tes bombes de affaires, fourré puis payé. C'était une femme qui me disait ça. Pas ma femme, malheureusement. J'ai été plus vite que toi. Non, je le sais, c'est pas toi. Pourquoi ça sert d'avoir des prouesses sexuelles? Game of Thrones. Avez-vous regardé Game of Thrones récemment? Moi, non. Ouais. Ça va aller bien quand je vais être chauve. Et bâti. Et bon, cette tape, là! Ah, il me l'a envoyé pareil! C'est drôle, ben j'ai failli t'envoyer la roue, mais là, elle est dans ma chambre. Donc, c'est parce que, comme il me disait, ça c'est une carte qu'il avait depuis qu'il était petit garçon. Là, c'est là que tu vois qu'il y a un choc générationnel entre moi et puis Martin. Parce que moi, en 97, j'avais déjà 21 ans. Alors, voilà. Ben écoute, comme je ne l'ai pas, ça va aller dans ma PC de Gretzky. Alors, grand merci. On poursuit dans le Gretzky. Et tabarouette, je ne le savais pas. Hey, ça, j'adore. Elle est super belle. Elle est écœurante. Ah, ça, c'est cool. Wow. Regardez ça. Super belle carte de Gretzky. J'adore. Ça m'émeut. Hein? Même breton que le mieux. C'est un TPM 2020. On le voit pas, hein? Non. Ah oui, je ne sais pas si c'est un TPM 2020. Je pense que c'est un TPM 2010. Il est écœurant. Oui, quand même. Et sur ça, ça c'est un décoil. Donc, sur ça, en OPG, Marky Rookie de Wayne Gretzky, le numéro 19. Donc, voilà. C'était le courrier du jour. Malheureusement, avec la menace d'un lockout imminent, il n'y aura pas de courrier du jour probablement pour une petite, à moins que je fasse des transactions qu'on peut faire. Qui sait, hein? Je vais partir quelques jours chez ma mère. Si je fais des trades, je pense à Martin Gravel. Un autre Martin.
Fait que je vais être tout seul, c'est ça. T'en profiteras pour faire le reste du ménage que j'ai pas fait. Alors voilà, donc ben grand merci Martin et Derek Manchester de Langley. Sans rancune, j'aime bien plaisanter. Voilà, c'était le courrier du jour du 27 juin 2016. Merci. Hey, joueur 40, hein? Ouais. Fait que c'est ça. Salut, puis merci encore. Ouais, une prochaine fois, mais c'est ça. Paye-moi, là, puis tu me remplaces.